petits joues nerveux n'avaient vraiment pas de chance ce soir, et le chanteur était maudit. Rageusement, ils recommencèrent la chanson.
avait réveillé le toit, l'unification. Ce n'était pas de pratiquer son art chacun dans son coin qui l'avait séduit, mais plutôt que tous le pratiquent ensemble. L'ensemble des tribus de la planète, enfin réunies, fêta cela comme il se doit, et ils décidèrent de quitter tous leur nom de tribu ridicule pour choisir un nom commun fait de trois initiales, HRB, pour Humanité Réunie dans le Bonheur. Ça tombait bien, HRB, c'était les trois mêmes lettres de leur morceau préféré, Hard Rock Blues. Spectacle 2013 de la Comédie des Arts.
merci beaucoup. Dans ce spectacle, vous avez pu apprécier deux vents qui accompagnaient les chansons de la chorale, mais on les a vus en contrebas, donc un petit peu moins que les autres. L'orchestre cycle 2 avec au piano Jody, à la basse Claude, au vent Ophélie, trouvez-moi, vous allez m'aider, hein. Ophélie à la trompette, à la flûte, Céline, merci, et à la clarinette, Sandra. À la batterie, il est où le batteur? Il est là-bas. Oui, alors à la batterie du groupe Savoyard, mais j'en parlerai tout à l'heure. Pour l'instant, je suis sur le groupe du cycle 2. Il est parti. C'était Romain. À la guitare, Ivan. Au clavier, Salomé. Et au saxophone, Dominique, Anaïs, Laetitia et Hilario. Vous avez pu apprécier dans le groupe Savoyarde. Approchez Savoyarde. Tout Savoyarde, s'il vous plaît. Hein. Hop. À la guitare électrique, Ludo. À la batterie, Robin. Martin à la guitare et Julien. Et qui est venu les idées et qui nous a composé le morceau Obscure Wishes, Chris. Que des jeunes de talent, comme je vous l'ai dit, c'est eux qui ont composé tous les morceaux de la fin du spectacle. À partir du moment où le collège a entré, ce sont leurs compositions. Bravo. Vous avez pu apprécier également, en tout début de spectacle, ces ravissantes demoiselles. C'est comment ton prénom? Meryl, Camille, Léa, Laurine. Laurine et Valérie. Et Valérie, comment vous, mesdemoiselles? Et puis tous les plus grands chanteurs, alors là c'était super, je vais pas dire les prénoms de tout, qui nous ont chanté, qui nous ont dansé, notamment Bad. Bravo à tous. L'atelier chant de Maria Sevilla. Alors Maria qui est ici. Qui nous a fait les chorégraphies des chanteurs. À la direction de la chorale et à tous les enfants qui étaient dans la chorale, donc qui sont aussi musiciens, Pauline. Merci pour tout le travail qu'elle a fait et qui nous a suivi aussi de très près dans toute cette préparation et le concert d'hier, Jean-François, notre professeur de batterie Fred, qui a préparé admirablement bien l'atelier cycle 2, qui nous a fait une batucada d'enfer. Bravo la batucada. Est-ce que Laurence est par là? Laurence refait. Laurence est-elle par là? Parce que nous avons une professeure de chant. Elle est par là? Non, vous la voyez pas? Elle n'a pas voulu faire la star. Donc, nous avons une professeure de chant qui a fait travailler donc, nos chanteuses principales. Alors, au chant, nous avons eu Colline, Marion, Tiffany et Mathilde. Et donc elles ont travaillé avec Laurence qui ne veut pas se montrer. Alors, j'oublie qui? J'oublie, j'oublie tous les élèves des deux orchestres du Collège Albins, l'orchestre des 6e et l'orchestre des 5e et 4e. Et tous les élèves de l'orchestre primaire de l'école de la viole, sous la direction de Pauline. Bravo à tous. J'en profite pour remercier la mairie pour son aide financière dans tous nos projets.
Et puis le bon esprit toujours qu'ils manifestent au niveau de la mairie d'Abiol, parce qu'ils ont toujours le désir que tout soit possible et ils disent toujours oui au projet qu'on propose. Merci à eux, merci à la communauté de communes également qui nous soutient dans tous ces projets, ainsi que les communes du canton de Grésy-sur-Aix qui rendent tout cela possible. Un grand merci à Christelle, la directrice de l'école primaire. Et est-ce qu'elles sont là? Les deux Christelle. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça me va droit au cœur. Merci beaucoup. Ah, la technique revendique. À la technique, nous avions Arnaud, qui s'en est vu ce soir pour faire le son, parce qu'il y a eu pas mal de problèmes. Hein. Vous avez vu l'installation, ça commence à être une usine à gaz. Hein, donc Arnaud, bravo. Grande félicitation. Et puis, aux installations, etc., qui nous a donné un coup de main, Calvin. Et Jean-François. Un grand merci aux deux Christelle. Christelle Savigny, la directrice de l'école, qui doit être par là, j'imagine, qui peut nous rejoindre. Et puis Christelle Lognoz, j'aimerais bien qu'il monte avec nous, parce que d'année en année, elle nous soutient, elle amène les enfants deux fois par semaine, qu'il vente, qu'il pleuve. Et cette année, on en a eu pas mal de vent et de pluie. Eh bien, elle est toujours là, avec la même motivation, après, année après année, et je voudrais qu'on lui fasse un tonnerre d'applaudissements. Elle n'est pas là, mais je voulais la remercier également. C'est Madame Olive, la principale du collège d'Albins, parce qu'elle a souhaité continuer nos projets d'orchestre et même de créer un nouvel orchestre cette année. Grand merci à elle. N'est pas là non plus Agnès, notre professeur de saxophone, mais que je remercie. Claude, est-ce que Claude est là? Claude Faton, je n'ai pas vu. Un grand merci à Claude pour ses arrangements musicaux et pour diriger tous les trompettistes. À Léonora, également notre professeur de piano, qui est toujours présente sur les projets. Est-ce qu'elle peut nous rejoindre, Léonora? Voilà. Un grand merci à Patrick et Hervé, nos professeurs de guitare. Et puis, je voudrais qu'ils nous rejoignent parce qu'ils ne nous rejoignent jamais. C'est Julien aux Lumières. Julien, s'il te plaît. Julien va nous rejoindre. Parce qu'il reste toujours dans son petit coin. Et je voulais le remercier pour l'aide qu'il nous apporte sur tous les projets. Julien, c'est... Voilà, bravo Julien. Julien, c'est celui qui rend ces projets si beaux, parce que vous savez, il n'y aurait pas la lumière et il n'y aurait pas Julien, ça serait très fade. Hein. Voilà, donc il a la compétence, il fait les créations artistiques parce qu'il voit les spectacles avant et il choisit les lumières qu'il va le mettre. Et il est d'une gentillesse et il rend service tout le temps. C'est avec lui que nous finissons toujours en fin de nuit de ranger le matériel. Nous sommes à deux. Julia. Et bien pour finir, nous allons rejouer un petit coup Hard Rock Blues et puis chacun. Ouais. Ça c'était Aurélien. On va vous rejouer un petit coup à Rock Blues et puis comme ça chacun pourra rentrer dans ses foyers. Et Orchestre Cycle 2, vous allez jouer avec nous, tous ensemble. Merci beaucoup pour cette belle soirée et on vous dit à l'année prochaine. À Rock Blues ? 1, 2, à Rock Blues ?